Arnold Antonin, Le cinéma de la liberté, c'est titre yon livre jeune écrivain française Virginie Emor fait sauti sous carrière professionnelle ak la vie réalisateur haïtien. Voti ati livre sa a déroulé jeudi soir dans Caribe Convention Center côté Arnold Antonin te gen bon côté li plusieurs personnalités zami dans combat politique ak engagement citoyen sans compter plusieurs acteurs ak actrices li dirige dans production cinématographique li yo. Cinéaste la félicité Virginie Emma pour texte li écrit ya ak belle photo li mette dans livre la. Publication ça apparaît dans édition Université d'État d'Haïti et li imprimé dans pays ya, ça qui représentait une grosse satisfaction pour Arnold Antonin. Cinéaste te nan micro Delson Yersin. Mon travail de cinéaste sur ma vie aussi et c'est surtout je crois un livre très bien fait non seulement du point de vue du contenu mais aussi du point de vue graphique. Donc, tu sais, quand on fait un livre sur un cinéaste et sur le cinéma, il faut au moins qu'il y ait de belles photos, et ça, il n'en manque pas. Et toutes mes actrices sont là, tous ceux qui ont travaillé avec moi. Et puis, il y a, je crois, de très bons articles de critiques de cinéma, haïtiens, étrangers, sur les différents films que j'ai faits. Donc voilà, je suis content. Justement, tu précisais que ce livre avait été imprimé en Haïti et avec les belles photos de Audrey Exantus de Métropole. Justement, enfin, qui a travaillé avec Métropole, j'aimerais savoir, est-ce que c'était un vœu vraiment pour toi, c'était quelque chose d'important qu'enfin un ouvrage soit imprimé ici? Qu'un ouvrage de cette qualité soit imprimé et fabriqué ici, pour moi c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc je peux dire que je me suis même un peu battu pour ça. Parce que souvent, et on m'a dit que la qualité n'était pas garantie, surtout vu les photos à quadricomie, la couleur et tout ça. Et là, je dois dire que l'imprimerie et Ulrich Exantus ont fait un travail formidable. Une dernière question, enfin, un dernier mot pour les téléspectateurs et les auditeurs, pour les inviter justement à découvrir ce livre. Eh bien, ce livre, Arnold Antonin, Le cinéma de la liberté, sera en vente dans toutes les bonnes librairies de la place et aux éditions de l'Université d'État d'Haïti.